Yahoo Bidibancha, donc aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un nouveau hentai. Je rappelle au cas où, les hentai sont des mangas âge conseillé aux 18 ans et plus pour contenu érotique. Et nous sommes avec le manga L'indécence d'une sœur. Pour ce qui est de ce manga, si tu te rappelles bien, quand j'ai fait la vidéo ouverture de colis des éditions Hot Manga avec les nouveautés du coup qui sont sorties en février, je te disais justement que c'était le titre qui m'intéressait le moins. Et donc on va découvrir ensemble finalement si j'avais raison ou pas de m'en méfier. Pour ce qui est de ce manga, nous sommes donc dans la catégorie groupe. Le faire à plusieurs en gros, hein, très clairement pour te résumer le truc. Grosse poitrine. Relation entre membres d'une même famille, pour ne pas dire le mot, et fétichisme. Donc le résumé, alors la phrase accroche c'est « laisse-moi te faire un petit massage » et donc en gros qu'il s'agisse d'un frère qui fantasme sur ses sœurs, d'une mère qui fait l'éducation sexuelle du petit ami de sa fille ou d'une jeune femme qui se retrouve malgré elle embauchée par les studios de films 18+. Elles ont vite fait d'en redemander, pudique au départ, le plaisir aura très vite raison des tabous, des conventions sociales, la femme torride qui les anime semble incontrôlable et ça tombe bien puisque leur partenaire ne semble pas se lasser de tenter de l'éteindre. Une fois qu'elles y ont goûté, elles ne peuvent plus s'en passer. Cette histoire, toute plus intense les unes que les autres, grâce à un dessin et une carnation très travaillée et une galerie de personnages aux silhouettes variées. Donc on va attaquer avec ce fameux manga, je t'ai donc lu le résumé et on va parler de chaque chapitre ensemble, sauf bien entendu toujours les deux ou trois derniers parce que je te laisse toujours découvrir. Donc le chant des sirènes, on est avec au moins une sœur, voire deux, j'ai pas su trop si la deuxième c'est une sœur ou sa meilleure copine, mais toujours est-il, on est donc avec une sœur qui est en train d'avouer qu'elle a des sentiments pour son petit frère à une autre fille. Et le garçon arrive au même moment, donc la deuxième fille va ouvrir la porte parce qu'elle a compris, elle a entendu qu'il était derrière la porte. Et donc ça va déraper, elle va lui avouer qu'elle a des sentiments pour lui, qu'elle veut le faire avec lui, etc. Et elle va lui dire je suis sûre ça te dégoûte et compagnie. Et puis finalement on va vite comprendre que non, justement le petit frère il était aussi en train de penser la même chose. Ensuite, on continue donc avec le deuxième chapitre qui est tout simplement l'infirmière pendant les cours. Donc on suit les aventures d'un jeune homme qui est assez rondouillard au point où il a de la poitrine et c'est dit dans le scénario, enfin dans le texte aussi, qu'il est rond et qu'il a beaucoup de poitrine. Et l'infirmière a bien gros sens en fait que le jeune homme ne va pas au sport parce qu'il a la flemme d'aller au sport et aussi pour pouvoir en profiter pour la mater. Et au moment où ils en parlent justement, on voit qu'il a dès le départ la main sur son entrejambe pour essayer de, on va dire, d'empêcher son entrejambe de se lever. Et donc ça va tout simplement déraper. Et alors, ça dérape dans le sens où au départ elle lui propose juste à la prochaine fois que tu saches les cours, t'auras droit de tripoter ma poitrine. Et à la base, ce qu'elle dit bien, c'est que ça sera tout. Et après, ça dérape et ça va beaucoup plus loin. Le seul truc que j'ai pas trop apprécié, et je ne sais pas si c'est la traduction française ou c'était déjà dans le texte à l'origine, c'est qu'il y a deux fois l'infirmière qui va lui faire des pics par rapport à son surpoids, en lui disant par exemple que s'il était plus mince, il aurait déjà plein de filles à ses pieds. Et à un moment donné, elle va aussi lui faire une réflexion que quand il va tripoter sa poitrine, elle va lui dire « Ah, t'as vu, c'est pas comme tes seins à toi ». J'ai pas été très forcément à l'aise dessus parce que c'était finalement un message de grossophobie. Mais étant donné que le Japon est quand même un pays assez grossophobe sur une grande partie de leur façon de penser, de vivre et de faire les choses, ça reste logique aussi. Mais c'est vrai que j'ai personnellement, étant une personne qui a été en obésité morbide et qui a encore quelques kilos à perdre pour être dans le bon IMC, j'avoue que j'ai pas trop apprécié. Mais après, c'est un de mes chapitres préférés parce que forcément, le truc entre le frère et la sœur, c'était pas trop mon délire. Ensuite, on est avec Homemade Sopa Plande. Je sais
pas trop comment ça se dit. Bref, on est avec un jeune homme qui tout simplement vit avec sa sœur et ses parents, sauf que sa sœur est du genre, après la douche ou quoi que ce soit, être juste son t-shirt et culotte, et se dire ça sert à rien de s'habiller parce qu'après elle va aller dormir et compagnie, donc voilà. Et donc elle se balade comme ça devant son frère, et en même temps qu'elle va dans la chambre de son frère pour lui emprunter un manga, pour pouvoir lire la suite, elle va voir, et on va comprendre aussi, que lui il s'intéresse et qu'il a envie d'aller dans un... justement un endroit où il y a des femmes qui sont payées pour laver les hommes avec leur propre corps, et il se dit quand même que c'est un peu cher, donc il sait pas trop s'il va le faire. Et finalement le soir même, vu qu'il n'y a pas les parents, elle va en profiter pour appeler son frère, lui dire c'est bon, la salle de bain est libre, et au final elle sera avec lui dans la salle de bain, et bien entendu ça va déraper. Personnellement, une fois de plus je te le dirai, mais je le redis au cas où, je ne suis pas du tout à l'aise avec les scénarios où c'est entre frères et sœurs de vrai sang. Si on nous dit dès le départ qu'ils sont pas réellement frères et sœurs de sang, ça va. Mais après, j'ai vraiment du mal avec tout ce qui est personne entre membres d'une même famille. Donc du coup, après, je survole souvent la lecture plutôt que lire réellement le chapitre, comme pour la première histoire. Mais celle-ci, je préfère parce que je trouve ça plus original. Parce que autant l'être qui va juste... dire à son frère oh là là je t'aime mais je suis sûre que ça te dégoûte, et celle qui finalement va carrément lui dire bah écoute, au lieu de payer et tout ça, fais-le avec moi. Mais on comprend aussi qu'elle a des sentiments pour lui, donc bon, et pas forcément quelque chose que j'apprécie tout particulièrement. Ensuite on est avec le chapitre Mama Lesson. Alors on comprend que on est avec une femme qui a perdu son mari, parce qu'on la voit se tripoter sur le canapé en regardant la photo de son défunt mari, et on comprend aussi qu'elle a une fille donc assez âgée, et le jeune homme va justement chez la fille, chez sa copine, et elle n'est pas là, et la maman lui explique que tout simplement elle est allée s'amuser avec ses potes au manège, c'est au parc d'attractions, etc. Et lui va lui dire écoutez, bah voilà, j'aimerais qu'en gros il va se confier à elle, lui dire bah voilà, elle m'a dit que elle est distante avec moi et tout, est-ce que vous en savez plus. Ça va lui expliquer le pourquoi du comment, qu'est-ce qui lui déplaît du coup dans leur relation à tous les deux, et c'est là que ça va tout simplement déraper. Ce que j'ai aimé dans le dérapage, c'était tout simplement qu'au départ on le comprend dès le début, ça n'a pas été modifié après, on voit bien que l'auteur y avait pensé. C'est tout simplement qu'elle a un sac à main entier de jouets pour adultes, avec un peu de tout. Ça, c'est, j'ai su apprécier. Et justement, on va aller voir l'utiliser. Donc, pour une fois, il y a une utilisation de jouets. Dans la précédente vidéo, je disais justement que j'avais envie d'en voir, mais j'avais pas forcément envie d'en voir avec une relation d'une maman avec le petit copain de sa fille. Non. Non, 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 non. Voilà, très clairement. Donc c'est pas mal, mais pareil, je l'ai forcément survolé une fois que ça a commencé à déraper. Ensuite, la dernière histoire que je vais te raconter, ça s'appelle Le goût du désir. On est avec un prof, alors je sais plus, une salle de sport privée ou de coaching, enfin, on voit une jeune femme faire du sport. Et il n'y a que le prof parce que voilà, ça a l'air d'être des cours privés. Et elle s'entraîne parce qu'elle a apparemment des problèmes de dos. Donc elle s'entraîne à faire des exercices. Et on nous dit directement que le jeune homme, en fait, cette femme est son premier amour. Et que bah du coup, il en profite en même temps quand elle fait ses exercices de sport pour pouvoir la mater. Quand elle est avec la barre et qu'elle est accroupie, de mater ses fesses. Quand elle est sur un ballon, de regarder justement ses fesses bouger avec le ballon qui est sous elle, sous ses cuisses, etc. Et en fait, ça va tout simplement déraper. Il va lui avouer ses sentiments et ça va totalement déraper. Mais j'ai trouvé ça drôle et j'ai trouvé ça sympa. Et puis en plus, au niveau du scénario, le coach de sport, on l'a jamais vu. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant justement comme scénario parce que ça change. Après, est-ce que j'ai vraiment kiffé le chapitre? Honnêtement, pas des masses. Le seul vraiment que j'ai apprécié, c'était donc l'élève avec l'infirmière, même si l'idée de base est déjà vue, mais j'ai préféré. Donc c'est tout en ce qui concerne les chapitres que je vais te présenter. Après, sache qu'il y a une fille qui est dans un club de gym et un garçon qui est dans un club de vidéo et qui la filme, et donc forcément, tu vois le genre.
Et un autre chapitre où on est avec en fait une fille qui est dans un club vidéo. Elle n'avait pas compris que c'était un club vidéo pour filmer des vidéos 18+. Elle est là en tant que membre du club et normalement l'actrice qui devait jouer les scènes est en retard. Donc ils vont d'abord faire des essais pour vérifier si les scènes, etc., ça va, si ça va aller au niveau du cadre, etc. Sauf que comme il n'y a pas l'actrice, et ben ça va retomber sur la jeune fille pour pouvoir servir de modèle et voir si les plans, etc., ça va plaire. Mais bon, ça, j'ai pas forcément non plus apprécié en particulier. Donc en ce qui concerne ce volume et ce titre en soi, c'est vraiment un giga flop et je suis extrêmement déçue de ce titre. Mais après, comme tu l'as vu, quand j'ai lu les résumés, etc., quand j'ai vu les couvertures lors de l'ouverture du colis, je me doutais que je ne l'apprécierais pas et j'avais totalement raison. Voilà. Cette vidéo sur le manga L'indécence d'une sœur est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura quand même plu et t'aura permis d'éviter peut-être un achat. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te mets ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted et le compte Twitch, ma précédente vidéo Hentai et la playlist Hot Manga. Sur ce, à bientôt et à jeudi prochain!